Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h, à la une de l'actualité de ce mardi. Deux femmes et deux bébés patients retenus prisonniers pour non-paiement de factures à l'hôpital général d'Issiro dans la province des Haut-Tchoulé peuvent enfin quitter l'hôpital. Le gouverneur vient de payer les factures de tous les patients à la maternité et à la pédiatrie. C'était lors de sa descente où il a aussi informé de la présence d'un cas de l'épidémie Mpox. Le détail dans ce journal. Également au sommaire de votre 19h, la province du Kasaï-Oriental va bientôt sourire avec des prévisions records en agriculture l'année prochaine. Plus de 6200 hectares de terre aménagés pour faire de l'agriculture, un chiffre encore meilleur que les années précédentes. La campagne agricole saison A 2024-2025 a été lancée hier par le gouverneur. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, de la culture et de la littérature, les livres feront leur entrée en RDC du 12 au 14 septembre prochain. La paix et la femme, c'est le thème de la 8e édition de cette rentrée littéraire. Les 3 jours marathon de cette rentrée seront mis à profit pour découvrir les parutions et les nouveautés de nombreuses maisons d'édition. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Plus de 3 millions de déplacés autour de la ville de Goma au nord qui vous manque presque de tout. Pas d'habits, pas d'abri, pas de nourriture. Un plaidoyer pour assister ces victimes vient d'être fait auprès de quelques sénateurs en vacances parlementaires dans la province du nord Kivu par le gouverneur et quelques membres de la société civile pour des solutions urgentes. Regardez. En vacances parlementaires à Goma au Nord Kivu, les sénateurs ont rencontré ce samedi 7 septembre 2024 les gouverneurs de la province du Nord Kivu et les membres de la société civile. Au cœur de la rencontre, la situation sécuritaire, humanitaire et celle de développement. L'honorable Célestin Bonabandi, Jean-Marie Kasséi Kakatokolio, Mouisha Kassiwa Janvier ont inscrit dans leur agenda les priorités à présenter à la haute chambre du Parlement pour une plaidoirie à présenter au gouvernement. La population de retour, celle de Massissi en grande partie, c'est de l'ouvert aujourd'hui. C'est une population sinistrée. Autour de la ville de Goma, nous avons pratiquement 3 millions de déplacés. C'est des populations qui ont besoin d'être assistées sur le plan humanitaire. Mais c'est aussi des populations qui ne demandent que la fin de la guerre et le retour dans leur milieu d'origine. Ce sont là des sujets que nous avons débattus avec les amis de la société civile. C'est un message adressé à l'autorité, particulièrement au gouvernement, pour que les déplacés de guerre soient assistés régulièrement, que des facilités soient apportées à toutes les organisations humanitaires qui assistent cette population, et que le gouvernement lui aussi puisse jouer sa part, mais mieux encore, que le gouvernement fasse le maximum, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire, pour que la guerre prenne fin. Acte salué par la société civile qui n'a pas manqué à présenter les tableaux sombres sur les plans sécuritaires, conséquence de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda et ses alliés. S'agissant des sénateurs venus nous rencontrer, leur objectif est de se rassurer de la situation sécuritaire et humanitaire et celle du développement, mais aussi palper de doigt la vie des déplacés, les souhaits et le retour des déplacés dans le milieu d'origine. Aujourd'hui, nos enfants n'essaient pas rentrer à l'école. Restons encore momentanément dans la province du Nord Kivu. La société de microfinance Trust Investment and Development vient d'étendre le nombre de ses guichets dans la province. Elle a désormais un nouveau guichet avancé au marché central Beni Kilokwa. L'inauguration du bâtiment devant abriter ces guichets a été faite en présence. L'inauguration a été faite en présence de quelques personnalités. Regardez. Ouverture officielle des guichets avancés au marché central de Beni Kilokwa de Trust Investment and Development, CID en sigle, une société de microfinance qui milite pour l'inclusion financière et l'amélioration de la qualité de vie de la population en République démocratique du Congo. Tout a commencé par la bénédiction de ce bâtiment qui va abriter ces guichets avancés de CID. Devant témoins, opérateurs économiques, agents de CID ainsi que les invités, les représentants du maire de la ville, Claude Zimoto, chef de division unique de la mairie de Beni, rassure la sécurité et à la société ainsi qu'aux clients. Ces guichets avancés de la société microfinance guide dédié à lutter contre la pauvreté en offrant des prêts et d'autres services financiers à ceux qui n'en ont pas accès
aux institutions financières traditionnelles, en rassurant à vous tous, invités à cette cérémonie, de mon engagement à vous garantir la sécurité. À en croire le directeur général de TID, M. Alfred Kamate Siviri, parmi les objectifs de l'ouverture de ces guichets en Vassé figurent la célérité et les rapprochements de la société à ses clients. Nous devons gagner aussi en termes de temps. Pourquoi ? Parce que les clients qui arrivent, la file d'attente qui est là, il y a toujours un besoin pour que la célérité soit parmi les objectifs que nous donnons à notre clientèle. Des femmes et des bébés patients retenus prisonniers pour non-paiement de factures à l'hôpital général d'Issiro dans la province du Haut-Touélé peuvent enfin quitter l'hôpital. Les factures de tous les patients à la maternité et à la pédiatrie, c'était... Général d'Issiro, honneur Jean Bakomi Togambu échange avec les responsables de certains services avant d'approcher le médecin directeur. Question pour lui de s'enquérir des cas probables de l'épidémie de variole des singes appelée Mepox et donner des directives afin de préserver la santé de sa population contre ces fléaux. Le passage de l'autorité provinciale dans cette formation sanitaire publique se transforme tout de suite en une fête pour le malade qui est encouru. Leur demande d'assistance bien reçue. De la parole à l'acte, Jean Bakomi Togambu verse à l'administration de l'hôpital tous les frais afférents à leur prise en charge. La joie est en son comble. Papa gouverneur Bakomi Pour le médecin directeur, Dr David Kamalou, cette intervention qui cadre avec la couverture santé universelle que prône le chef de l'État tombe à pic. Nous sommes très contents. À chaque fois qu'il vient, il y a beaucoup de bonnes choses. Pour des femmes qui n'arrivaient pas à honorer leur facture, son excellence, il a payé les frais. La majorité, c'était plus la maternité et la pédiatrie. On avait eu un cas typique des Mpox qui avait déjà atteint un stade avancé avec d'autres comorbidités. Le gouvernement provincial avait appuyé. Ça a été bien organisé via la division provinciale de la santé. Les enfants victimes du conflit Kamuna Sampou dans le Kasaï central dotés des fournitures scolaires, un don du directeur général de la DGI. Regardez. Stylo, cahier, sac. L'essentiel a été assuré pour ces enfants victimes collatérales du conflit Kamuna Sampou. Ils pourront alors, comme les autres enfants, retourner à l'école, bénéficiant ainsi de la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un geste rendu possible par les directeurs généraux des impôts, Barnabé Mouakadi, ici représenté dans le Kasaï central profond, territoire des Dibaya, par Génie Kandé, fils du terroir, qui au-delà des fournitures scolaires, a remis également des pagnes aux parents de ses élèves. Les enfants manquent même des cahiers. Et grâce à son excellence, monsieur le président de la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous disons merci au DG Barnabé Mouakadi Mwamba de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, qui m'envoie avec les fournitures scolaires pour donner l'espoir à ces enfants ici, abandonnés. Ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de problèmes. Voilà Kamuna Sampou, vous voyez. Voilà les enfants de Kamuna Sampou qui souffrent. Une action sociale saluée par les bénéficiaires. Répondre à l'appel du chef de l'État, c'est aussi développer un élan de solidarité au profit des groupes vulnérables. C'était en 2016, 8 ans déjà, depuis que l'actuelle reine de Kananga, la reine Diambi Kabatusula, a été intronisée. Une grande manifestation a été organisée au Kasaï central pour célébrer ces 8 ans. Une manifestation marquée aussi par la pose de la première pierre des constructions de l'université technologique de Kananga. Suivant.
La reine Djambika Batsuila a organisé avec pompe la célébration du 8e anniversaire de son intronisation dimanche 8 septembre dans le jardin de la résidence familiale à Kananga. Une trentaine d'autorités traditionnelles de l'ordre des léopards et coutumiers ont pris part à cette manifestation haute en couleur, agrémentée par le groupe folklorique. Intronisée il y a 8 ans comme reine de l'ordre des léopards par ses pères, la reine Djambi a représenté la culture et l'héritage immatériel traditionnel du Kasaï, de la RDC et de l'Afrique dans le monde entier. Les différentes autorités traditionnelles ont tour à tour exprimé leur gratitude et soutien à la reine Djambi pour ses bonnes œuvres. Faisant d'une pierre deux coups, la reine Djambi, soucieuse de matérialiser le rêve de son père, le professeur Gabatsuila Bernard Emmanuel, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'Université technologique du Congo UTC à Kananga. Elle a promis de tout faire pour obtenir le soutien des partenaires. C'est un projet de mon père, le professeur Dr Gabatsuila, qui a été pendant de nombreuses années un servant de la nation dans son poste qu'il occupait aux affaires étrangères, mais qui a toujours prôné l'éducation. Lui, il a pensé que c'était quelque chose d'important de venir aussi chez lui, au Kasaï central, à Kananga, là où il a aussi étudié, pour créer cette université, pour donner une opportunité aux jeunes d'aller étudier et d'apprendre des métiers qui vont aider à construire le pays demain. Les chantiers de travaux de réhabilitation de la route en bitume qui part de Chikapa à Kamako, longue de 120 km, touche petit à petit dans sa phase finale dans la province du Kasaï. 7 mois après le lancement de travaux, les habitants du coin, au micro de notre confrère Franklin Claire Kalumbo, se sont exprimés sur la qualité de travaux exécutés sur le terrain. Regardons. 7 mois après le lancement des travaux de construction de la route en bitume qui part de Chikapa à Kamako en passant par Kanjanji, par le ministre national en charge d'infrastructure, Alexis Guissaro, l'on note avec grande satisfaction l'avancement de ces travaux sur terrain qui sont suivis chaque jour qui passe par le chef de mission de contrôle de l'agence congolaise des grands travaux. Devant caméra et micro de la RTNC, les opérateurs économiques que nous avons trouvés ici sur place, à Kanjanji, s'exprime. Je suis angolaise, c'est une joie pour nous car cette route va nous faciliter dans nos activités de commerce. C'est avantageux pour nous, les opérateurs économiques des deux pays. Nous sommes reconnaissants à l'endroit du chef de l'État, Fatshi, grâce à son impulsion. Aujourd'hui, la route est à Kanjanji. Nous avons des avantages par rapport au prix que nous payons le transport pour les marchandises de la frontière jusqu'à la ville de Chikapa ne sont pas les mêmes. Le taux a baissé jusqu'à, je peux dire à 60% du prix qu'on payait du jadis. Nous avons l'avantage de venir le matin faire le marché et retourner à la province le soir. Notons que cette route qui est en train d'être construite ici dans la province du Kasaï, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est salutaire pour la population de l'espace Kasaï et la province de Kwilu qui vont faire désormais les échanges commerciaux avec la province voisine de Lunda Norte en Angola. Depuis Kanjanji, à la frontière entre la province du Kasaï et celle de Lunda Norte en Angola, Franklin Claire Kalumbo Abatanda, Alexandre Kasonga, RTNC. Le chemin est encore long pour la centrale hydroélectrique de Boudana dans la province de l'Ituri. Les travaux de réhabilitation de cette centrale traînent encore le pas. Le taux d'exécution est chiffré jusque-là 20% seulement. Les coordonnateurs de Southern Energy qui supervisent les travaux appellent à une intervention du gouvernement central. Suivant. Les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana, entamés par la société GreenTech Energy, en collaboration avec la Sokimo et Volibortrain, Dédoné Moulimoula, coordonnateur de Southern Energy, qui supervise ces travaux, demande l'accompagnement de la population de l'Ituri et du gouvernement congolais dans ces projets d'électrification de l'Ituri et ses environs. Je demande à la société iturienne d'accompagner la société GreenTech. Parce qu'il faut qu'ils accompagnent ce projet jusqu'à la fin. C'est un projet pour le développement de la province d'Ituri. Et sans courant, sans l'eau, sans route, il n'y a pas de développement. Et nous demandons à l'État congolais de nous accompagner, parce que c'est un projet. Nous accompagnons le chef de l'État dans ce projet, parce qu'il est toujours derrière la population, et surtout la population du Tour qui a pleuré beaucoup concernant l'obscurité et le courant. Et voilà, la solution est là.
et que la population itourienne puisse accompagner le projet. Déjà, souligne-t-il, tous les matériels pour toutes les trois phases du projet sont déjà abouniants. Pour les travaux de réhabilitation de la sacrale entamés en août dernier, le taux de réalisation est estimé en 20%. Il tient de rappeler que, d'ici décembre de l'année en cours, la puissance de la sacrale hydroélectrique de Boudana passera de 1,4 MW, sa puissance actuelle, à 5 MW au profit de la population de la ville de Bounia et environ. Toujours en Ituri, une source d'eau aménagée vient de voir le jour dans la province, dans la commune rurale de Magui, un don d'un élu provincial du coin. Regardons. Désormais, l'eau coule dans les robinets des habitants du quartier Ridadé, dans la commune rurale de Magui. C'est à la suite d'une source d'eau aménagée par le député provincial Pierre Ouonga. Cet ouvrage d'eau potable vient résoudre les problèmes d'approvisionnement de cette denrée rare dans ce quartier, reconnaît de notables de cette entité. Ce que vous avez fait, en tout cas, nous disons coup de chapeau et ça nous touche au cœur. Et même dans nos rapports, je pense que ça sortira clairement que voilà, l'honorable Mouma Pierre a fait un aménagement d'eau. Beaucoup de choses à dire, si seulement que de réintégrer nos remerciements au nom du bourgmestre de la commune de Magui et au nom de cette population du quartier Ridadé que nous représentons. Cette lit du peuple inscrit sa dotation dans le souci de répondre à ces besoins sociaux dont la population était confrontée pendant plusieurs années. Car il s'agit de le facturer d'eau potable, ça fait ma joie car l'eau est la vie. Pendant plusieurs années, nous sommes en train de nous battre afin de promouvoir le développement intégral de ce territoire. Dans plusieurs secteurs, ce genre d'œuvre entre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Chilo. Signalons que le lieu de Maïgu n'est pas à son premier geste de générosité depuis son élection. C'est une manière pour lui de témoigner sa reconnaissance et son engagement à servir le peuple durant son mandat. Une première pour l'université de Lubumbashi, cet établissement d'enseignement supérieur vient de livrer pour la première fois des lauréats en architecture, fruit d'un partenariat avec l'Université libre de Bruxelles. Pour cette grande première, le maire de la ville de Lubumbashi a offert de cadeaux au recteur de ces deux universités, Alain Bikay. La capitale qui préfère connaît des faits qui marquent l'histoire. La ville de Johnston d'Achansa est fière d'enregistrer les premiers pionniers en architecture issus de l'université de Lubumbashi. C'est dans ces cadres que le maire intérimaire de Lubumbashi, l'honorable Johnston d'Achansa, a rehaussé de sa présence ce mardi 3 septembre 2024 à la première cérémonie de ses lauréats de master en architecture à l'INILU et à la collation des grades académiques de ses heureux récipiendaires, fruit du partenariat entre l'Université de Lubumbashi, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Au cours d'un dîner organisé dans la soirée de ce même mardi au consulat de la Belgique, le maire ad intérim de Lubumbashi, l'honorable Johnston d'Achansa, a offert quelques présents en malachite au recteur des universités libres de Bruxelles et de Mons à l'occasion de leur séjour à Lubumbashi. Ces cadeaux portant la signature de la très dynamique Johnston d'Achansa, digne d'essence et reconnu par les professeurs Anne et Philippe Dubois, respectivement recteur de l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Madame la maire est vraiment quelqu'un de chaleureux, accueillant et la preuve, elle nous a fait un beau cadeau. La ville est très vaste, est d'un dynamisme quasi inégalé. L'Université de Lubumbashi reste donc une véritable locomotive du savoir à travers le pays. Les efforts du comité de gestion de cette alma mater à pérenniser des partenariats avec des universités de renommée internationale prouve de facto la grandeur de cette entité académique. C'est un véritable pari gagné pour la RDC. Au sommet Chine-Afrique, des investissements sont entendus dans le Haut-Katanga et aussi dans d'autres provinces. Le membre de la structure Vision Fatih Rénové qui ont assisté à ces grands rendez-vous à Beijing était devant le Force Vive de Lubumbashi pour faire la restitution de retombées de ces grands rendez-vous. Cédric Kinena. Sommet Chine-Afrique, la RDC a-t-elle tiré son épingle du jeu ?
Les forces vives du Haut-Katanga, sous la bannière de la vision Fatih rénovée, en sont convaincues. Dans une matinée des sensibilisations de masse à Lubumbashi, Kalimbui, président national de la vision Fatih rénovée, a salué la vision éclairée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la RDC un espace attractif pour les investissements, à l'image de cette relation Chine-Afrique, singulièrement Chine-RDC, qui s'enracine dans une longue tradition de solidarité. Au profit du continent noir, la Chine a construit plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 100 000 km d'autoroutes et environ 150 000 km de backbone, couvrant 700 millions d'utilisateurs, renforçant ainsi nettement les niveaux d'interconnexion en Afrique. Les centaines de projets d'énergie renouvelable qu'elle a réalisée dans des pays africains ont permis de mieux valoriser les ressources énergétiques du continent et de lever les fardeaux énergétiques qui freinent son industrialisation. La RDC, selon Kalimbui, est mieux placée pour bénéficier de cet accompagnement avec ses immenses ressources naturelles. Pour clore ce chapitre et appeler à la mobilisation derrière les forces armées de la RDC, Vision Fatih Rénovée n'a pas manqué de souligner les rôles combien nécessaires et indispensables d'acteurs au développement joués par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboulakatué, y compris par l'organe délibérant provincial et son président, Michel Kabwe. L'ISTAR Lubumbashi a organisé une journée scientifique pour réfléchir sur l'environnement. Plusieurs professeurs ont pris la parole pour différentes communications à valeur scientifique. Le résumé de cette journée avec Edith Chalakatala. C'est sur son nouveau site que l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTAR de Lubumbashi a choisi pour l'organisation des journées scientifiques cette année. Un nouveau campus en construction dont les travaux sont très avancés peut, selon les corps académiques et les étudiants, recevoir des rencontres de cette nature, question d'apprêter les esprits à ce déménagement à venir. Autour du thème « Enseignement supérieur technique, facteur de croissance économique », plusieurs intelligences se sont entrechoquées pour produire la lumière en deux sessions, l'une sur l'industrie minière et l'environnement et l'autre sur l'eau, l'énergie et la maintenance industrielle. Le directeur général de l'ISTAR Lubumbashi, le professeur Ngoy Biyutu Kaleza, dit s'inscrire dans l'ordre de l'instruction académique de la tutelle. Je parle de journée scientifique édition 2024 de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi, répondant ainsi aux obligations de la tutelle, obligations qui se résument dans la production de la recherche ou l'organisation des manifestations scientifiques. Par ces journées scientifiques, l'ISTAR Lubumbashi est résolument engagé dans la réponse aux questions de société, l'autre mission de l'enseignement supérieur et universitaire. Promotion de l'entrepreneuriat dans la province du Sud-Kivu. Les jeunes entrepreneurs plaident pour l'obtention de crédits afin de devenir des millionnaires de demain. Plaidoyer fait au vice-président de la FEC par ses entrepreneurs au cours d'un échange. Regardons. Aujourd'hui, on a eu un choix. Les jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu sont appelés à s'organiser, à être crédibles, mais aussi à parler un même langage afin de devenir des millionnaires, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet appel a été lancé à ces jeunes entrepreneurs par Maître Joseph Kazibaziba, vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat des jeunes, de la sous-traitance et des mines artisanales. Il a déclaré lors d'une rencontre d'échange et de partage d'expériences, une rencontre qu'il a organisée le dimanche 8 septembre dernier à sa résidence située à Kavumu, entouré de messieurs Joaï Bahidika, président provincial de la FEC, et de messieurs Edon Talé, vice-président de la sous-commission de la sous-traitance au Sud. L'actuel directeur général de l'entreprise Primera Gold a profité de cette opportunité pour demander à ses compatriotes de quitter ce qu'il a appelé zone de confort, chose qui constitue un frein à l'épanouissement. Aussi entrepreneur et propriétaire de plusieurs entreprises, Joseph Kazibaziba a promis de mener des plaidoyers au niveau provincial et national afin d'amener ses frères entrepreneurs du Sud-Kivu à
MRJ. Nous avions discuté que la meilleure façon d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, tout comme la sous-traitance, qu'il était important que nous puissions nous organiser sous forme de principe où les jeunes entrepreneurs regroupent les besoins réels de chacun dans un même. Comme M. Joël Bahidika, Maître Joseph Kazibaziba a demandé à ces jeunes d'adhérer au sein de la FEC pour obtenir bien de cause en cas de difficulté. Le jeu des questions et réponses a fait en sorte que l'assistance soit édifiée sur plusieurs points, notamment l'obtention des crédits, ainsi de suite. Je le dis au sommaire, la province du Kasaï oriental va bientôt sourire avec de prévisions records en agriculture l'année prochaine. Plus de 6200 hectares de terre aménagés pour faire de l'agriculture, un chiffre encore meilleur que les années précédentes. La campagne agricole saison A 2024-2025 a été lancée hier par les gouverneurs. Regarde. Lancement officiel samedi 7 septembre à Benampoi dans le territoire des Loupatapata. De la campagne agricole saison A 2024-2025. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboakapo en présence des autorités provinciales et coutumières et de la population venue nombreuse pour la circonstance. La ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Moulanga, dans son discours, a demandé au gouverneur de province de disponibiliser du carburant pour la réalisation de 6250 hectares cette année agricole au Kasaï oriental. Après avoir rendu un hommage mérité au président de la République qui prône la revanche du sol sur les sous-sols, Jean-Paul Mbouéboakapo a invité tout le monde à s'inscrire dans cette vision du chef de l'État en ayant chacun un champ. La lutte contre l'insécurité alimentaire est une affaire de tous. Ainsi, j'invite chacun de nous à se joindre à cette lutte en ayant un champ. Tous, et les membres du gouvernement provincial, vont donner l'exemple en cette matière en commençant par moi-même. Au chef coutumier, le gouverneur de province a demandé de favoriser un climat convivial, invitant tout le monde à faire un champ. J'appelle par la même occasion les chefs coutumiers à accompagner le gouvernement provincial dans l'agriculture, en combattant avec la dernière énergie les pratiques rétrogrades de mauvais sort qui freinent le développement du secteur agricole dans notre province et qui découragent ceux qui veulent investir. Disons que c'est par la distribution des intrants que la cérémonie a pris fin. La province du Bas-Zouélé, elle, aura bientôt des intrants agricoles importants pour se suffire en agriculture. La nouvelle a été donnée à la population par les gouverneurs qui viennent de séjourner à Kinshasa et à Goma pour une mission officielle. C'est un don du gouvernement central, comme nous dit Anastasie Toumbou. Le gouvernement central, à travers le ministère de l'Agriculture, vient de doter la province du Bas-Zouélé 50 tonnes d'engrais chimiques et plus de 40 tonnes de matériel aratoire qui pourront servir à la production agricole dans les Bas-Zouélé. C'est le fruit de la mission officielle que le gouverneur Marc David Moukeni a effectué dernièrement à Kinshasa et à Goma. Dès son arrivée à l'aéroport de Bouta, le gouverneur Marc David Moukeni fait la restitution de sa mission en saluant la volonté politique du gouvernement central au profit de sa population du Bas-Zouélé. Je reviens avec beaucoup de satisfaction. Les missions qu'on a eues à mener à Kinshasa, à Goma, ont été vraiment fructueuses. Au niveau de Kinshasa, la représentation est à pied d'œuvre pour trouver un bateau pour l'acheminement des outils et des intrants à Bouta et à Kisangani. Les livres feront leur entrée en RDC du 12 au 14 septembre prochain. La paix et la femme, c'est le thème de la 8e édition de cette rentrée littéraire. Les 3 jours marathon de cette rentrée seront mis à profit pour découvrir les parutions et les nouveautés de nombreuses maisons d'édition. Expositions, ventes et dédicaces seront au rendez-vous. L'annonce a été faite aujourd'hui au Centre Wallonie-Bruxelles au cours d'un point de presse auquel a assisté Maloumbela.
C'est le grand rendez-vous annuel pour les amoureux, amateurs et curieux de la littérature. La grande rentrée littéraire de Kinshasa se tiendra du 12 au 14 septembre 2024. Pour cette 8e édition, le thème choisi est « La paix et la femme ». Un thème qui résonne fortement dans l'ouvrage « Le Congo et le Grand Lac ». Paix tout de suite, pourquoi et comment ? De l'auteur congolais Didier Mumengi. Ce dernier, en quête permanente des solutions pour la paix, va plus loin. Il plaide pour que chaque université du pays intègre dans son programme de cours l'irénologie, c'est-à-dire l'étude de la paix. Pour lui, la paix est tellement cruciale qu'elle doit devenir un domaine d'apprentissage incontournable dans l'enseignement supérieur. Ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour la création d'une chaire d'irénologie. L'irénologie, c'est la science de la paix à l'université de Kinshasa, avec l'espoir qu'il y ait des départements d'irénologie dans la plupart de nos universités. Et ce livre en appelle à la conscience des universités pour donner à la nation des spécialistes de la paix, afin que nous quittions les syndromes des engagements superficiels. Les activités promues durant cette grande rencontre littéraires comprennent des tables rondes, des ateliers d'écriture, la présentation de nouveaux ouvrages, ainsi que la vente et la promotion des livres. Le coordonnateur de l'événement l'a confirmé lors d'un point de presse. L'enjeu pour cet événement, c'est de dire à la face du monde que la littérature vit en RDC. Il y a beaucoup d'auteurs maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition. Ceux qui veulent même aussi se procurer d'ouvrages scolaires peuvent venir aussi. C'est également une opportunité unique pour les décideurs de cerner de nombreux défis auxquels fait face l'industrie de la production littéraire, tout en découvrant le travail des passionnés de l'écriture venus des quatre coins du pays et d'ailleurs. Plusieurs actions caritatives ont eu lieu dans la commune de Matete à Kinshasa. À la manœuvre, la structure, la providence, comme nous dit Yvette Makuntima. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kunda 2, commune de Matete à Kinshasa, qui entrevoient déjà des solutions à un pan important de leurs difficultés sociales. Le bourgmestre de cette entité administrative, Jules Mukumbi Bao, a lancé officiellement les actions caritatives et sociales de la Fondation La Providence. La présidente de cette structure, Hélène Batanito, a fourni des explications sur le champ d'action qui cible particulièrement les orphelins, les veuves et les personnes de troisième âge. Son but d'aider les enfants orphelins, les enfants abandonnés, toutes les femmes veuves, ainsi que les personnes âgées au-delà de 55 ans, afin de les sécuriser et les protéger car ils seront utiles pour le Congo de demain. Avec ces actions, la Fondation La Providence a pour objectif de pérenniser les œuvres caritatives et soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le réseau d'éducation civique au Congo RESIC ne veut pas lâcher le femme candidate aux échéances électorales. Il poursuit avec sa série de formations et de coaching. Hier, c'était le tour des candidates bourgmestre et vice-bourgmestre d'être outillés sur le rôle et attribution d'un bourgmestre. Regardons. La représentativité de la femme au poste électif demeure encore faible. Et les réseaux d'éducation civique au Congo poursuit sa campagne de formation des femmes candidates à n'importe quelle élection pour inverser la tendance. Aujourd'hui, au cours de cet atelier, ce sont les femmes candidates bourgmestres et bourgmestres adjoints d'être coachées et formées par les RESIC. À la fin de cette session de formation, ces participantes vont renforcer leurs capacités sur la maîtrise de rôle et attribution d'un bourgmestre et aussi adopter des attitudes et développer des stratégies susceptibles d'attirer l'attention de grands électeurs à travers une feuille de route pour une bonne campagne électorale, a dit le secrétaire exécutif du RESIC, Jean-Michel Vondo. Pour nous, nous sommes convaincus que la bonne gouvernance part d'abord par la consolidation au niveau des entités territoriales de Saint-André. Nous sommes en train de faire un effort pour d'abord les former, les rendre capables par rapport à leur rôle. Une session de formation bien accueillie par ces femmes candidates. Avec toute cette formation, je dirais même que nous sommes déjà chargés, nous avons des antibales avec nous. Et il n'y aura pas de gens à nous marteler, à nous piétiner dessus. Et tant que conseillère, même au bourgmestre, nous sommes en train d'être bien outillés. Nous avons vraiment la matière pour bien gouverner, pour bien diriger nos communes.
et la femme est là pour que demain elle puisse bien diriger, elle puisse bien gouverner les ETD. Déjà aguerri au terme de nouvelles connaissances acquises grâce au réseau d'éducation civique au Congo, ces femmes sont donc prêtes à affronter les élections de bourgmestre qui pointent déjà à l'horizon. Dernier virage de ce journal, le lancement de la campagne d'exploitation minière va bientôt commencer. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Regardez. En prélude du lancement des opérations d'exploitation minière sur son site de Nioka, la compagnie minière de Tondo, située dans les encablures de la ville de Kolwezi, confirme ainsi la création de plusieurs emplois. Christian Kakele, avocat conseil de cette entreprise, revient sur cette nouvelle. Nous devons particulièrement travailler pour soutenir ce projet qui doit se développer, surtout que c'est un projet qui est mené par un fils du pays. Toutes les mines qui sont en train de proliférer ici, ce sont des mines qui sont tenues par des grandes sociétés, des grandes finances internationales. Mais ici, nous avons quand même un projet pilote que nous avons la chance de voir émerger. Je pense que tout le monde devait se mettre la main sur le cœur pour soutenir ce projet du fils du pays. Cependant, cette entreprise minière déplore les envahissements de son site par les exploitants miniers artisanaux. L'annexe 18 du règlement minier qui organise ces procédures est claire là-dessus. Ne vous squattez le site minier d'une société qui paye des droits superficiels, qui paye des impôts pour le maintien de ces droits miniers. Et vous venez vous installer de force sur ce site. Et quand on délocalise les habitants, vous voulez aussi, vous qui squattez les sites, qu'on vous indemnise. On va vous indemniser pour quel travail que vous avez fait. La compagnie minière de Tondo exhorte les habitants à arrêter toute exploitation minière illicite en milieu résidentiel sur son périmètre d'exploitation. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 20h sous Zingo et Chubui. Au revoir.